allez bien. Moi, je vais très, très, très bien par la grâce de Dieu. Voilà, aujourd'hui, nous retrouvons juste pour une petite recette. Voilà, j'avais juste une petite envie de sauce gombo aux épinards. Voilà. En tout cas, la sauce gombo, on la prépare de différentes manières. Donc, moi, je vais préparer comme je le sens et comme j'ai envie. Donc, on a envie de repas, quoi, tu vois. Voilà. Donc, sans plus blablater, je vais vous présenter mes ingrédients. Voilà, pour ma sauce, j'aurai besoin de oignons, tomates, piments. Et là, c'est des champignons. Ça, c'est des champignons. C'est pas obligatoire, mais moi, j'aime bien les champignons dans ma sauce. Donc, j'aime rajouter dans mes préparations. Voilà, j'aime trop les champignons. Et là, nous avons des crevettes que j'ai bien nettoyées. Là, nous avons nos viandes fumées. Voilà. Et là, nous avons nos gombos que j'ai découpés déjà. Et là, nous avons nos épinards. Voilà, si vous avez des épinards fraîches, vous pouvez les utiliser. Mais si vous n'en avez pas, prenez des épinards surgelés en branches. Voilà, ça fait aussi l'affaire. Donc, voilà. Donc, et je vais rajouter aussi un peu de poisson. Ça, c'est mon envie. J'ai envie de rajouter du poisson frais. Donc, que j'ai bien nettoyé, bien lavé. Voilà, c'est pas obligatoire. Hein. Mais c'est vous qui voyez, vous ajoutez tout ce que vous voulez dans votre sauce. En tout cas, rajoutez tous les animaux de la brousse, de la mer, tout ce que vous voulez. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la préparation. En tout cas, les amis, suivez étape par étape. C'est très facile. Donc, on s'est dit, let's go! Voilà. Les amis, pour la préparation, je vais rajouter mes viandes à l'intérieur. Et là, je vais découper mes oignons pour les mettre à l'intérieur aussi. Comme je dis toujours, on a tous une manière différente de cuisiner. Voilà, je ne dirai jamais assez. Voilà, on a tous une manière à nous de cuisiner. Et chacun de nous apporte sa touche. On peut revisiter n'importe quelle nourriture. N'importe quelle recette, on peut la revisiter. Voilà. Là, je vais rajouter un peu d'huile rouge. Voilà. Pris un peu mes oignons. Là, je vais rajouter une petite cuillerée de sel. Je mélange bien le tout. Voilà. Et je vais rajouter de l'eau. Je vais rajouter encore un peu d'eau. Voilà. Là, je vais rajouter mes champignons. Vu que ce sont des champignons frais, je vais les cuisiner en même temps. Voilà. En tout cas, les champignons, c'est pas obligatoire. Hein. Mais moi, je les aime, donc du coup, j'en rajoute. Voilà, c'est pas obligatoire. J'aime trop, trop, trop les champignons. Là, on a l'impression que les champignons sont assez, mais quand ça va cuire, ça va rétrécir. Donc du coup, voilà. Je vais rajouter mes oignons, les tomates à l'intérieur. Et je vais rajouter mon piment. Je vais couvrir et laisser le tout cuire environ 30 minutes. Et on se dit à tout de suite, les amis. Voilà les amis, là je vais enlever
mes ingrédients et les mixer. Et là, les amis, je vais rajouter mes poissons en même temps qui vont cuire. Le temps de mixer tous mes ingrédients. Voilà. Et je vais rajouter aussi mes crevettes à l'intérieur. Et là, je vais laisser le tout cuire. Vous avez vu que je n'ai pas rajouté d'eau parce que je ne veux pas casser mes poissons. Donc du coup, on va les fermer le temps que les poissons puissent cuire. Et là, je vais mixer tous mes ingrédients. Voilà les amis. Ouh, ça boudait. Ouh, comme ça. Je vais rajouter ma mixture dedans. J'aime trop quand la sauce bout bien. J'essaie de mélanger doucement pour ne pas que nos poissons puissent s'écraser. Je vais recouvrir et puis attendre au moins 5 minutes. Là les amis, là je vais enlever mes poissons pour laisser bien cuire ma sauce. Voilà, je vais l'enlever pour ne pas que ça s'écrase. Je vais laisser le tout bien cuit et que la sauce devienne un peu cuite. Je vais passer à la préparation de mon gombo. Voilà les amis, je vais passer à la préparation de mon gombo. Je vais descendre la sauce d'abord et passer à la préparation de mon gombo. Et là, dans ma casserole, j'ai déjà rajouté le gombo et les épinards. Et là les amis, je vais rajouter un peu de bicarbonate. Si vous avez de la potasse, vous pouvez en rajouter. En tout cas, ma sauce gombo, c'est pas la sauce gombo habituelle qu'on a l'habitude de voir, juste le gombo simple ou la feuille de plala. Là, c'est notre façon de préparer ma sauce gombo. Le gombo avec les épinards. En tout cas, le gombo se prépare de différentes manières. Là les amis, je vais rajouter un peu de poudre de crevettes dedans.
je le tape encore bien pour bien cuire mes gombos avec les épinards. Bien taper ça. Ça sent tellement bon. En tout cas, essayez les gombos avec les épinards, c'est un vrai régal aussi. Là c'est bon là les amis, je vais le descendre et puis je vais rehausser dans ma sauce. Voilà les amis, je vais rehausser le gombo. Voilà les amis, j'ai rehaussé mon gombo, je vais assaisonner, voilà. Et on va laisser le tout cuire environ au moins 5 minutes. Les aider après déjà, mais je vais laisser juste encore bouillir un peu, au moins 5 minutes. Le gombo, mélanger les épinards. Donc si vous voulez mettre votre plat cali avec sauce gombo, que vous n'avez pas de plat là, vous pouvez rajouter les épinards. En tout cas, c'est bon aussi. Là, je vais goûter. Les amis, c'est une tuerie. C'est une tuerie. En tout cas, je vous l'assure, c'est une tuerie. Donc, on va attendre un peu. Voilà, les amis. Là, c'est bon. C'est bon, c'est prêt. Et là, je vais passer à la préparation de mon plat cali. Voilà. Je vais manger avec le plat cali. Donc, je vais passer à la préparation de mon plat cali vite fait. Et puis, on va dresser le tout. Là, c'est bon. Là, je vais passer à la préparation de mon plat cali. Donc là, j'ai mélangé déjà ma poudre de plat cali déjà au feu. Là, on tourne doucement pour pas que ça crame. En tout cas, le plat cali, c'est très facile à faire. Voilà. Là, j'ai rajouté un tout petit peu d'eau pour laisser cuire un peu. En tout cas, quand on fait plat cali, il faut des muscles. Voilà. En tout cas, les amis, c'est prêt. Le plat cali est prêt.
Là, on va passer au dressage et à la dégustation ensemble, les amis. On se dit à tous. Voilà, voilà, les amis, là où ça dans mon plat. Voilà. Mon plat Kali. Avec la sauce gombo aux épinards. Voilà. Allons déguster, hein. Je vais me blesser. Oh, j'ai dit que. Oh, chef. Est-ce qu'il y a un drone de vente là qui est pour nous? On va goûter. Non, voilà ça, les amis. Écraser un peu les piments là. Et tout, hein? Il dit que c'est trop bon. Crevette. Trop bon. Yeah. Let's do that. Yeah. Let me. En tout cas, c'est pas pour être méchant, mais c'est trop bon. C'est dommage que je vais la caméra, sinon c'est bon. Mais. En tout cas. N'hésitez pas à essayer cette recette chez vous. Le gombo aux épinards. J'ai une autre façon de faire la sauce copée. En tout cas, les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser des commentaires constructifs. Surtout, abonnez-vous massivement, les amis. Likez surtout. Et puis, laissez-moi un petit coucou dans les commentaires. En tout cas, ceci, on se dit. À très 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 bientôt. En tout cas, que Dieu vous garde. Bye!